Infalus. Excellent, excellent. Qu'est-ce qu'il est drôle. En forme ce soir sur les jeux de mots. Ouais, grave. À part MYD, hein. J'ai du mal là. Mais non, mais c'est juste que le nom est nul en fait. Et je m'en suis jamais aperçu. Mais Make Your Destiny, ça ne veut rien dire. C'est quoi le jeu de mots sur MYD? Make Your Destiny, c'est la même chose que si ton nom d'équipe c'était Control Your Lâcher Prise. Your Lâcher Prise. Bah oui. Tu peux pas contrôler ton lâcher prise. C'est un pléonasme, c'est une contradiction. C'est non, c'est une ambivalence. C'est... Voilà, c'est une ambivalence. Ça ne va pas ensemble. Tu peux pas faire ta destinée, parce que par définition, c'est ta destinée. Elle est écrite. Donc c'est Live Your Destiny, mais ça voudrait dire en plus du coup qu'il y a une destinée. Et donc du coup, quel nom de merde pour une équipe e-sport de dire à des gens c'est destiné. Parce que du coup, dans ce cas-là, à quoi ça sert de s'entraîner, bande de fils de pute, puisque c'est ma destinée. Du coup, bah c'est écrit ou pas écrit. En fait, j'ai aucun contrôle sur ma vie puisque c'est destiné. Et voilà. Il a totalement raison, putain, il vient de m'ouvrir les yeux là-dessus. Mais vous voyez. Et Baby Shark, t'es toujours là. Il faut que vous changiez de pseudo, parce que ça veut rien dire, Make Your Destiny, en soi. Alors là, objectivement, il y a aucun tort dans ce qu'il vient de dire, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai analysé le... Ah ouais. Ah, parce que je suis... ça, c'est parce que je suis HPI, ça. HPI autodiac, HPI. Le mec. Ah. Ouais. Bon, Stick, je tenais à te dire que j'apprécie HPI. Le jeu Tactical. Ah ouais. Vraiment. Ouais, bah, j'étais payé pour dire, hein, j'en avais rien à branler perso. Franchement, on va pas se mentir les gars, le gameplay où je fais semblant de jouer, c'est pas moi qui joue. Hein, donc, voilà, non, franchement, je préfère vous le dire. Franchement, on va être sérieux, je suis très sincère moi comme personne. Je joue absolument pas, d'accord. Mais voilà quoi, c'est la possibilité problèmes. Pour un monteur de faire trois fois normalement son salaire, donc j'ai dit bon allez, on y va. Voilà. Ouais, on est sympa. Franchement, on est sympa. Voilà quoi. Mais bon, faut pas que je le dise. J'ai testé en plus, c'est pas mal. Mais c'est pas trop mal. Hein. Non, mais autrement, je l'aurais pas fait. En vrai. J'ai regardé le jeu. J'ai pas pu. Je l'ai testé, mais il y a genre hyper longtemps. À l'époque où je bossais chez Gameloft. Et le jeu est cool quoi. La physique, c'est pas trop mal. Hein, franchement, les explosions, les trucs et tout, c'est vraiment incroyable. Genre vraiment. Mais après, c'est pas trop mon. Voilà quoi. Moi, je suis plutôt Door Kickers, machin quoi. Ce serait insane un Door Kickers mobile. Door Kickers mobile. Ouais. Ça n'a pas existé à un moment. Et il est sur mobile, fils de pute. Ouais. Ah bah je savais pas. Ouais. Il est con. Bah j'aurais une occupation pour les chiottes. Ok. Un anneau. Les gars, est-ce qu'on peut se faire passer un message dans le milieu du gaming, ok? Est-ce que c'est possible que vous achetiez de l'huile pour tous les trucs qui grincent chez vous quoi? Mais c'est ma porte qui a grincé. Je sais pas, ça va être la merde de Tisma qui grince. Non mais tu sais, c'est la perche micro, la PS1, c'est de la merde. Alors j'ai son numéro, elle est très gentille. Et la PS1, elle est absolument incroyable. Et si tu regardes bien et que tu écoutes, c'est la PS1 de chez Rode, c'est une machine qui est incroyable. En revanche, moi, elle grince de ouf. Elle n'a absolument pas, elle n'est pas du tout lubrifiée. Et je vais même pas citer le nom d'un streamer qui un jour était parti sur Twitter en disant c'est inadmissible que ça grince comme ça. Un streamer qui a un frère, un gros fils de pute. Voilà, je vais juste dire. Ah, oui. Voilà. Un mec con comme un cactus, aussi con que son frère. Mais bon, on ne citera pas de nom, mais c'est pas grave. Un mec que je peux pas blairer. Con, et je suis jamais intervenu sur le truc, mais con en disant, j'avais envie de répondre, mec, c'est un truc mécanique. Il y a un moment, faut graisser en fait. C'est aussi simple que ça en fait. Et donc, je te conseille une très bonne petite machine qui s'appelle Lithium Blanc. C'est du WD-40, mais ce n'est pas du WD-40. Mais je vais la sortir, vous allez voir. Non, tu vas vraiment la chercher. Eh ouais. Ah, mais c'est comme moi, les clients avec les vélos, en fait. C'est on pareil. On est d'accord, il parle de qui je pense. Il parle de qui je pense, oui, là. Bah, oui, mais bon, on va pas dire les pseudos. Mais bon, Zerox, que s'il te plaît. Fais gaffe dans le chat. Zerox. Qu'est-ce qu'il a mis Xerox hein? Rien, mais je dis de faire gaffe dans le chat au cas où il y a un nom qui pop. Ah, balle perdue. Oh, on s'en bat les couilles. Donc du coup, attendez, je me mets comme ça. Et donc ça, c'est ça là. Ça, c'est incroyable. Donc c'est du WD-40 spécial graisse blanche au lithium. Ok, je l'ai spray une fois. Une fois. Et j'étais encore à Paris. Je l'ai spray une fois, il y a 3 ans. Et plus jamais ça n'a grincé. Voilà. Et ça, c'est incroyable. C'est la meilleure graisse de ouf, quoi. Voilà.
Mais c'est du vrai WD-40 lubrifiant, c'est pas WD-40 bleu de merde. Mais le WD, voilà. Le WD-40 à la base, quand on parle de WD-40, par extension, vu que c'est une marque, mais quand on dit t'as du WD-40, c'est un dégraissant. Justement, ouais. Le WD-40 à la base, c'est un dégraissant. Donc c'est quand tu veux laver tes trucs, etc. quoi, qui sont pleins de gras. Mais en revanche, ça, c'est de la graisse blanche. Et ils ont gardé c'est la marque WD-40. Et la marque. Ouais. Voilà, c'est tout. T'as graissé quoi comme... Ça la PS1. Vous entendez pas de... Si vous voulez, je peux vous faire écouter. Mais ouais, et ça, ah non, il y a crisp. Si tu n'en mets pas... Si tu n'en mets pas... Tu vois? Voilà, bah c'est normal qu'il y en ait un petit peu, du coup, avec la poussière, tu vois? Mais si t'en mets ouais, pas, non, ça mais grince. Moi, c'est tout sec, tu vois. Oh, bah, ouais. Grince-moi, STP 6-4. Ouais, ah, bah écoute, je vais lubrifier ta mère, déjà. Et alors, du coup, on y va. On est ready. We are ready. Ready to go. Ah, attendez. On met quoi comme jeu? Ce jeu... Ah, alors... Une escouade de monstres. Non, pas du tout. Non. Alors là, franchement... encore s'il y avait que moi, oui, je veux bien, mais bon. Ouais. Vous avez décidé d'être drôle, là, visiblement, non? Essayez, pas décidé. Ok. Moi, ça fait longtemps que j'essaye, mais ça n'a jamais abouti quelque part, malheureusement. Donc, je suis encore dans enquête. Va chercher Paul Mirabel. On a notre Mirabel. Ok, bon, let's go. On va aller sur Steam. En avant. Attends, je vais chercher mon Oli. GL6. Ouais, il me saoule déjà. J'ai déjà envie de leur... Il va y avoir des TK, c'est sûr. Et en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de regarder The Covenant sur Prime de Guy Ritchie. Alors, ça m'a fait bizarre de voir un truc de guerre de Guy Ritchie. Mais bon, comme il y avait l'incroyable... Merde. Ouais, tout pareil. Jake Gyllenhaal, là. Dedans, je me suis dit, oh, ça doit pas être mal. Salut, bon, je regarde, c'est pas ouf, en fait. Je reviens après plusieurs mois d'absence dû au travail, enfin de retour, signe de la main. Merci, Tivano, pour les 27 mois de préscolarité. Bah, ça fait plaisir et bon retour parmi nous, du coup. Bah, du coup, voilà, quoi. Tant que c'est pas de Lionel Richie. J'ai pas la ref. C'est qui, Lionel Richie? C'était pas un black? Dar Salim joue très bien. Le... Ahmed? Ouais, il joue pas trop mal. Après, le film est pas ouf quand même. Pour le moment, c'est l'interprète. Ah ouais, d'accord, ok. Mais honnêtement... Perso, j'ai vraiment aimé The Covenant. Ouais, bon, d'accord. JSP69, je sais pas, mais... C'est un film... C'est ok. C'est la même chose que les films du genre Triple Frontière. C'est la même chose que... C'est le genre de film, tu vas lui mettre 5, 5,5, 6 sur 10, je le sens, quoi. On sent que c'est... Hey. Les scènes de fight, bon, c'est pas... C'est encore deux Américains qui défoncent 90 talibans, quoi. Tu vois, bon, les scènes de combat, ça va bien 2 minutes, quoi. Mais bon... Ouais, les mecs, ils mettent des one-tap, je te jure, des trucs de ouf, quoi. Pam, 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 pam. Oh, ouais, d'accord, ok. Ouais, l'autre là-bas, oh, paf, 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 bra, bra, bra. Ouais, John Wick. Mais bon, j'ai regardé, je suis à la moitié du film, je regarderai la fin ce soir, et voilà, je tenais à vous le dire. Normal, ils vont pas les faire louper, lol, ils connaissent les maps. Mais ouais, mais bon, ils mettent que des pré-shots de ouf, là. Dixit, le mec qui fait un jeu à 4 et qui tue 40 insurgés par mission. Écoute, Wolfie, tu vas bien niquer ta mère, ok? D'où il est plus simple, d'ailleurs. Mais ouais, mais lui, là, je sais pas ce qu'il fait, là. Wolfie, il file un mauvais coton, là. Ouais, il vient plus faire... Il faisait des Game Viewers, au moment, mais Wolfie. Ouais, Wolfie, il faisait les Game Viewers sur Ready or Not. Mais bon, mais ouais, ouais, il est dans le truc de Game Viewer, mais il répond pas, ce petit salaud, là. Il se pointe, il regarde, là, il est un peu comme ça, là, tapis dans l'ombre, un peu. Voilà, quoi. Il fait ses petites interventions de salaud. C'est toi qui vas mettre un message, Wolfie?
Ouais, ok. Ouais, voilà. Bon, ok, let's go. Ah, et Six, bah sinon, t'as en film qui sont sortis, t'as le nouveau Tyler Rake. Mais bon, ça reste plus hollywoodien qu'autre chose. En... Alors, j'ai vu, apparemment, il y a une scène assez incroyable sur le train en mode plan séquence, assez pas mal, quoi, tu vois. Ouais, par contre, ouais, les scènes de fight sont vraiment pas mal. Bon, je regarderai. Le premier ou le deuxième, c'est vraiment pas mal. Mais bon, déjà, dès que je vois l'autre, là, Chris Hemsworth, là, ou je sais pas quoi, là, je sais plus, ça me saoule un peu, quoi. Je le vois partout et tout. Ouais, ça passe, quoi, voilà. Il fait tous les films Netflix, quoi. Tu retrouves beaucoup les mêmes acteurs quand c'est du film Netflix, je trouve. J'aime... Ouais. J'ai un peu du mal avec les films 6 sur 10, quoi. Non, Tyler Rake, il a pris couverture derrière une échelle sur un Little Bird qui l'arrose. Ah ouais, bon. Après, la différence entre un Tyler Rake ou le film dont on est en train de parler, c'est que le film dont le Tyler Rake ne prétend pas autre chose que d'être une sorte de Rambo des temps modernes. Donc on peut apprécier à la limite le côté un contre tous. Il y a un côté un peu surjoué, de facto. En revanche, moi, ce que j'aime pas, c'est les films qui jouent sur la tangente de dire... qui jouent sur la tangente un peu militaire, based on a true story, tu vois. Basé sur une histoire vraie. Et derrière, tu t'aperçois qu'au final, bah, c'est Call of Duty, le truc, tu vois. Tu fais, ouais, non, ça se passe pas comme ça, frérot. Non. À deux, vous avez paniqué 50 machins, quoi. Donc, merci les États-Unis, merci Hollywood. Mais c'est pas parce que les gars, ils ont des AK-47, une pacole sur la tête et qu'ils parlent pas anglais, qu'ils tirent comme des merdes, tu vois. Ouais, John Wick based on a true story, c'est exactement ça. C'est Black Hawk Down. Oh non, mais Black Hawk Down, il y avait un autre truc, tu vois. Il y a un truc qu'il faut rappeler. Black Hawk Down... c'est juste que ce qui était OK dans les années 90, bah on est en 2023, en fait, tu vois. On peut pas non plus... Là, ce serait la même chose que de dire « Ouais, Rambo, c'était un peu abusé. » Bah ouais, forcément. Bisous, t'es là. Tisma, Tipeee. OK. Thanks. Quoi, John Wick, c'est pas une histoire réelle? Faudrait que je le voie, le 4. Qu'est-ce qui t'arrive là? Médecine ferme? Eh mais vous vous rendez compte que... Attendez, faut se muter sur le jeu, non? Enfin, faut se muter de Discord. Ouais, c'est good. Ouais, on est déjà tout le mute. Ok. C'est qui le clic-clic qu'on entend là, le micro? C'est Tisma. Bah ouais, bah ouais, c'est avec son truc qui doit... Tu vois, tu l'as entendu là. Voilà. C'est sûr. Le 4 est très drôle. C'est comme le 1, 2, 3, si tu veux, sans spoil. Lol. Bah le 1 était quand même incroyable, quoi. Le John Wick 1 était vraiment génial, quoi. En fait, j'avoue que je suis pas... J'adore Keanu Reeves. Enfin, Keanu Reeves. Et puis bon, la Ford Shelby de 69, là, c'est juste ma voiture préférée, quoi. Donc déjà, bon, ça partait avec un... En plus, il y a une instru d'enculé. Là, le son est incroyable. Voilà, quoi. Voilà. En plus, je crois qu'il a un 1911 match, non? C'est quoi ce qu'il a oh, il... Cette voiture, elle est incroyable. C'est la plus belle voiture du monde, quoi. C'est tout, quoi. J'adore cette bagnole. La fin du 4 est golden. Faut que tu le vois si t'aimes. Ah ouais? D'accord, mais bon, j'aime les chiens. Et c'est pas pour ça que John Wick est un film incroyable. C'est pas faux. En plus, j'adore les beagles. Franchement, bah, voilà... Mais John Wick est un film... C'est cool, c'est un bon film d'action. Elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal. Vous voulez quoi, du coup? John Wick, c'est surtout la direction artistique, une claque visuelle et sonore. Bien sûr. Bien sûr. Ça me rappelle un peu le film Crank avec Jason Statham. Le truc où il a une espèce de drogue dans le corps qui fait que s'il s'arrête et s'il a plus de dopamine, enfin, ou de enfin, on s'en bat les couilles... Il est obligé de toujours d'être à donf. Et quand le film était sorti, il avait mis une grosse claque, quoi. Yo, Typex, comment ça va, poulet? Il est bon, ce Six Day in Fallujah? Bah, franchement, t'es un Américain, tu tires sur des gens barbus. Moi, j'adore. Hein. Ça va bien avec mon opinion politique, tu vois. J'aime bien. Franchement, ça me fait plaisir. Franchement. Non, franchement, il est cool. Le film est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien. Après, bon, c'est... Ça se situe entre...
Lac des Sades. Ça se situe entre Ready or Not et Grand Branch. Les mécaniques sont plus lourdes. Les mécaniques sont plus inspirées de Ready or Not. Parfois, c'est un peu chiant quand même. T'es un marine, si tu te fais bloquer par une brique, tu vois. À voir, mais bon, c'est le genre de jeu comme Zero Hour, comme Grand Branch, comme tous ces jeux. Bon, j'y jouerai de temps en temps. Dès qu'il y aura une nouvelle mission, une nouvelle truc, j'y jouerai, quoi. Voilà. Mais en tout cas, il est difficile et il est en coop. Donc déjà, moi, je suis pas... Il est difficile, il est en coop et c'est un jeu tactique. Bon, bah déjà, voilà, ça... Déjà, il y a les trois trucs. Coop, difficile, déjà, c'est les deux trucs. Et en plus, sur un jeu FPS tactique contemporain. Bon, alors déjà, il coche déjà beaucoup de cases pour moi, quoi. Sous tension. Ah oui, crank, sous tension, c'est ça. Du coup, vous voulez quoi comme rôle, les amis ? Moi, peu m'importe. Merci, Basie. Comme tu veux. Pour le fait d'être un nouvel étudiant, bienvenue, poulet. Bah, qui veut la M249 ? Toi, t'aimes bien Six, non ? Bah, vas-y. Alors, dans ce cas-là, je te fais le team lead road, Tipeee. Donne-moi la M249 en fire roll. C'est le. L'assistant ? Non. Assist, c'est le shotgun. C'est tireur, je crois, en français, la traduction. C'est le. Il y en a un dont on entend les clics de souris, là. Faut arrêter, là. Voilà. Là, t'entends ou pas ? Oui, bah oui. Ouais, on entend toi, mais on entend moi aussi, gros. C'est mon micro. On entend même l'oiseau derrière toi. Un peu, moi. Ah ouais, j'avoue, on entend un oiseau. Bah attends, je suis, j'arrive. Baizou, tu veux quoi ? Moi, peu importe. Oh là là, c'est l'Irak. Il y a des oiseaux en Irak. Vas-y, Baizou, je te mets. Mais il est bien, mon oiseau, arrêtez, vous vous moquez. Mets-moi vous moquez pas des oiseaux. Mets-moi en éclaireur, là où je sais pas quoi. Éclaireur ? Ouais. Et lui, il veut quoi ? Attendez. C'est le dernier de façon. Allez, let's go. Ouais. Go, ready to go, man. We need to go. Preparing to start mission. We need to go in 5 minutes. We have 5 people waiting for QRF. Si jamais le bruit du micro, c'est vraiment horrible. J'ai sorti la solution de secours. C'est pas le bruit du micro qui est horrible. C'est juste ta voix, en fait. Ouais. Bah super. T'es essoufflé, t'as monté un escalier ? Va te faire. Faux, il n'y a pas d'oiseaux en Irak, ils ont peur de se faire tirer dessus. Je reconnais, il y a mensonge là. Eh ouais. Et où est-ce qu'ils vont se poser ? Regarde, il n'y a rien. Regarde comment... Ça c'est bien un marine ça. Regarde comment il tient sa M4 et tout. Les mecs ils font de la moto. Il avait pas regardé les DVD de Chris Costa. Eh ouais. Et ça, vous connaissez pas Chris Costa. C'était bien avant les youtubeurs qui vont... Oh yeah, we are going to explode this truck. Tac Air, this is Fishfinder. Tac Air, go ahead. Alright, let's go. I have visual on multiple insurgents south of LRP Butler on a rooftop. That might be the AQI headquarters we've been searching for. Roger, I'll get third squad tasked to clear them out. Bon, let's go smoke. Third squad, this is Spartan 3. Iron Mountain convoy is approaching LRP. ETA, 20 mics. Clear and hold that AQI headquarters. Balancez de la smoke, les amis, non. Et on reste derrière le VBT. On va faire un bond de l'autre côté du VBT, du coup je vais avoir besoin de pas mal de smoke. Okay. Profitez du fait qu'on puisse refill. On va refill et on y va. On va vers la porte. On passe l'avant du véhicule. Ok. Ok, 3, 2, 1.
top. Look out, killers. Hostiles have a mortar replacement somewhere in your AO. On s'est tiré dessus, faites gaffe. On est obligé de continuer le bon en avant de l'autre côté du playground là. Non, non, let's go dans la direction de mon bras, ok, sur cette maison. On peut pas rester ici, on a le mortier là. Let's go, on bouge. Let's go. On fait un bond dans la direction de mon bras. Go. Contact à droite. Ok, on va pas pouvoir rester là trop longtemps. Est-ce qu'on est tous contre le mur là? Ouais, je suis. Attends, t'es là, mais qui. Tisma là. Ok, bah parfait, bah vas-y, ouais, ouvre à gauche, main courante à gauche, Tisma derrière. Ok, tu prends le bouchon arrière, s'il te plaît, Tipeee, on se fait tirer dessus. Ouais. On peut pas rester là, let's go, ouvre. C'est le TP qui. Non, négatif. Non, c'est du snipe ça. Laisse-moi à gauche. Laisse-moi en deuxième là, qu'est-ce que tu fais là, Baizou, reste derrière. Attends avant de décaler. Attends avant de rentrer dedans là. Let's go, quelqu'un vient prendre ma ligne, please. Dans la direction de mon bras, vas-y, go, passe. Derrière, on se fait tirer dessus là. Je suis touché. T'as besoin de heal ou c'est bon? Non, négatif. Let's go, smoke en face et on rentre à l'intérieur de la maison. Smoke? Allez, let's go, on push dans la maison, décroche. Bisou. Let's go, on rentre dedans. Je fais le bouchon arrière, j'ai pas de lumière. Ok, j'ai les stairs. J'ai grand posters. J'ai pas de lumière du coup. Tu veux passer sur ton arme secondaire, t'as forcément une lumière. C'est quoi la touche pour les lampes déjà? X. Pardon. Ok, tu clear le bâtiment entier. N'hésitez pas à récupérer des armes. Genre ça. Info ? Ok, bien pris. On fait quoi? Ok, on est toujours en train de couvrir pour le moment. On va partir direction plein est. Il y a encore du monde contact, hein, j'entends. Ouais, récupérer les armes. Ouais. La maison est full. Récupérer les armes et derrière on va devoir faire. Quelqu'un peut prendre le bouchon arrière que je regarde un petit peu ce qui se passe devant? Je prends. Vas-y, go, Tisma. Ok, plein est, c'est là où j'ai eu le sniper tout à l'heure. Ok, bien pris. Il était sur le bâtiment rouge en face, sur le toit. Ok, on va ressortir par là où on est arrivé, ça sert à rien là, c'est dégueulasse. Et on va continuer de faire des bonds de maison en maison, donc on va partir au plein sud, ok? Donc on va ressortir par là où on est arrivé, main courante à gauche, et on fait un bond sur l'autre maison, même principe. Let's go, je fais le bouchon arrière, let's go, quand vous voulez. Ok, tu se passes, toi, quel point? Good. Ouais. Allez, go. 3, 2, 1, top. Je suis en 2. Vas-y, je suis en 3. Smoke muré. Faut smoke en face, surtout, quand on va rentrer dedans. Je vais smoke. La smoke, ouais. C'est pas une smoke, malheureusement. Grenade en main, attention, je la balance, désolé. What the fuck? Ah ouais, on peut cooker les grenades, le truc vachement réaliste. Bon bah faudra le savoir, on peut visiblement cooker les grenades, débile. Complètement débile ça. Ok, let's go. J'arrive, je fais un peu le loin derrière. Ok, bah go s'insérer, je prends à droite. Vas-y, rentre et laisse-moi dedans, rentre. Okay. Je fais bouchon arrière. Okay. Vas-y, t'es tout seul.
On se parle à l'intérieur, pas de friendly fire, on se parle à l'intérieur, pas à la radio. Ok, Tipeee, les autres. Sur moi, je suis blessé. Moi aussi. Je suis avec toi le blessé. Devant moi là. Aïe, devant moi. Je suis blessé, sur moi. Je vois rien. Ah ouais, je vois rien du tout non plus. Je prends 6. C'est dans le bac, je crois. T'es encore en vie, Tipeee ou pas? Bah, négatif, on a perdu Tipeee. Okay. Il y avait contact à gauche. Il est traité. Mec, vas-y. Je suis à 2. Ah, il y a un escalier en bas. Ok, je fais le bouchon arrière, je reste au bouchon arrière. Go. Ok, j'ai une lampe, on switch. J'arrive derrière vous. Ok, dispatch. Donnez-moi de l'info, parlez-moi. J'ai une lampe sur l'homme secondaire si besoin. J'ai une lampe sur l'arme secondaire si besoin. Neutraliser en bas. Ok. Ok, let's go, on va continuer exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on va essayer de taper à la limite au cul du VBT, comme ça on peut récupérer un Pax. Enfin, on peut récupérer un personnel, histoire de terminer quand même à 4 et de récupérer du matos. Allez, go. Let's go. Je sais pas ce qui se passe à droite. Ok, je vais sortir. Quelqu'un prend mes 6 heures, je pars à gauche direct. Main courante à gauche. Quelqu'un prend à droite en sortant. 3, 2, 1, top. Ok, j'ai. Droite. Je suis derrière toi aussi. Il y a un étage, les amis. Vous êtes allé vérifier l'étage ou pas? Non. Négatif. Il y a pas d'accès à l'intérieur. Ok, va falloir taper l'étage. Je vais y aller en premier. On reprend pas Tipeee? Si, après. Attends 2 secondes. On va avoir personne dans le cul. Couvrez les amis. En particulier là dans la direction de mon bras, c'est là que ça me fait peur en fait. Ok. Je monte en même temps que toi et je. Je prends. J'y vais, je continue. Ça m'a l'air clear. Ça tire. Neutraliser les deux. Ok, bien vu. Je rentre dans la maison chargeable. Ok, j'ai personne au top, clear. Ok, let's go. Récupérons, let's go sur le VB. Attention mortier. Le VB est détruit. Non? Ah ouais. On peut pas restock? Non, il est détruit. Ah putain, let's go. On rentre à l'intérieur de la maison. Go. Toutes les pièces avaient été faites? Je pense que oui. À droite, je vois une porte fermée, les amis, en face de moi. Ça a pas été fait alors? Ouais. J'ouvre à gauche, j'ai rien, clear. Clear à droite. J'ouvre. Ok, 2 secondes, attends, 2 secondes. On joue la porte. Oh, j'ai un moustique sur moi. What? J'ai un moustique IRL. Oh. Ok, c'est pas grave, le gaming c'est plus important. Fils de pute, on vient de perdre l'un de nos meilleurs potes, on vient de perdre l'un de notre squad, ok? On vient de se prendre des mortiers dans la gueule, etc. T'es blessé, je suis blessé, tout le monde est blessé, et le seul truc dont t'as peur, c'est un putain de moustique, fils de pute! Non mais il était énorme, il était gigantesque, il faisait la taille de ma souris. J'ouvre la porte. Go! Allez, kick-moi cette porte là. Je vois rien à droite. Ok, laisse tomber. Garde ta porte, garde-la, décale pas.
Ok, fais la même chose ici là, poulet. Ouvre-la moi, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Je fais pas dans la dentelle. Ok, tu pars à droite, s'il te plaît. Pars à gauche, pars à gauche. Je te suis et je regarde okay. À droite. Pars à gauche, go, 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 go. Clear, clear, droite, clear. Gauche, clear. Ok. On a plus que 5 minutes, il faut absolument qu'on se magne. Et le compound est l'endroit juste à côté là. On va pouvoir le voir à travers les rideaux à la limite. Bon, vu comment c'est couvert les amis, venez là. Ok, c'est le bâtiment qui est juste en face de... C'est dans la direction de mon bras. Ok, ok. Du coup... On va smoke. Et on va essayer de se rapprocher le plus proche du on va essayer de faire un bond pour aller se coller contre le mur. Donc. Ça tire? J'ai pas d'info. Bien vu. Ok, je vais commencer à sortir. Je suis? Ouais, si, 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 si. Faut qu'on y aille, les amis. Je commence à checker la route. Je re-smoke. Ok, l'endroit où tu viens de smoker, c'est l'endroit par lequel on va passer, je pense. Ok. On va faire un bond de l'autre côté de la route. Ok. Go. Go. J'ai entendu monde à l'intérieur. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Je push à droite, quelqu'un pour la gauche? Doucement, 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 on parle moins fort. Ok, go. Je regarde la hauteur. J'ai une porte close à moi. Pour rentrer dans le bâtiment. Je le rejoins. Non, négatif, tiens ta ligne, tiens ta ligne, tiens ta ligne. Ouais, j'ai la ligne. Tiens ta ligne, Tissement. On va rentrer à l'intérieur. T'es derrière moi, Six? Ouais, mais je couvre plutôt tes 9h en fait. Ok, ok. Je vais ouvrir ma ligne pour voir l'intérieur. Vas-y, vas-y. Ok, j'ai un tout, j'ai un blessé, j'ai blessé. Tisma, viens ici s'il te plaît. Mets-toi dans le coin, bouge, 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 bouge. Tisma, viens l'aider. Viens le soigner. Il y en avait 3 dans la petite pièce à droite là. Ok, va falloir passer une grenade par-dessus ma tête. Grenade ? Moi, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok, non, c'est bon, elle part, elle part, elle part. Ça peut sortir, attention. Je rentre dedans avec la grenade. Tisma, go, push. Chargeur. Let's go, poussez avec les lampes, les gars. Poussez avec les lampes, Tisma. Poussez avec la lampe. Je prends derrière, je prends le bouchon arrière, go. Faut qu'on se magne. Ouais. Vous êtes où? J'arrive derrière vous. J'ai un sous-sol. Ok, go. J'arrive avec la lampe derrière, j'arrive avec la lampe derrière, je suis avec vous. Vas-y, vas-y, c'est bon, j'ai je suis avec vous, on reste ensemble. Ok. Ça dépaille vers la gauche. Je couvre derrière, vous... il y a encore une issue en bas? Non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, vous pouvez remonter quand vous voulez. C'est moi en haut de l'escalier. Ouais, il y avait un autre escalier pour aller vers le top. Ok, contact à droite, j'ai rien. En face de moi, ça tire. À mes 2h. Quelqu'un, grenade? Direction de mon bras. Go, go, balance. 45 secondes, faut qu'on se magne. Ça décale. Go, on y va, on y va. Go, go, go. Go, Sterf. Go, montage. Vas-y, je suis avec toi, je suis avec toi. Il
18 secondes. On push, on push, on push, on s'arrête plus les amis. Go sur le toit si vous pouvez. Sorry, this HQ was closed for business. Est-ce qu'on a le drapeau? J'ai. Ok, let's go, on tient en place. Nice. Recharger et ça va arriver. Toi non. Faut tous les buter là non. Il y avait un trou. Je l'ai pas vu. Ah la mort nulle. Ah la mort débile, ça c'est fait chier. T'as glitch à travers le hall, ouais, c'est sûr. Ouais, je pense, ouais, c'est un peu relou ça. Merci Warm pour les 22 mois de frais scolarité. Garway, nouvel étudiant du campus. Garway, merci d'avoir offert la possibilité à Captain Dedara ses droits de scolarité. Lukasovic, 19, nouvel étudiant du campus. Sat, merci. Sat Faction, nouvel étudiant du campus. Vous êtes des monstres, les amis, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, alors le truc c'est que. Bah. Le truc c'est qu'en fait. C'est un peu naze, mais quand on meurt, ça c'est vraiment trop relou, il faudrait qu'il fasse comme Phasmophobia, faut que ça coupe le micro et que seuls les ghosts puissent se parler entre eux, tu vois. Et au final, parce que là quand si on meurt... parle, il nous entend. Ouais. Oui, oui. Ah, merde. Et ça c'est trop relou, donc t'es obligé toi-même de, bah, de jouer le jeu, de surtout pas dire un truc du genre hey, « Hey, il est là, juste en face de moi !» Non, tu fermes ta gueule, t'as pris deux bastos, c'est terminé, tu parles pas. Oui, parce pas, que j'ai légèrement de choc. Et c'est ça qui est tellement bien, tu sais, quand t'es en mode 6-4 6-4. Oh putain, merde. Et tu t'aperçois que t'es tout seul. Et j'ai pris un truc, moi. Je suis arrivé sur le j'ai pris un one tap. Direct. Tu t'es incroyable. Fait sécher. Ah ouais, non. Bazou, il est allé. Il y avait un mec à la porte. Il séchait. Direct, moi, net. Je sais même pas d'où je suis mort. Hein. Je suis monté en haut de l'escalier. Il fallait faire retry, là, les amis. C'était à toi, bah Tipeee. Ouais, mais c'était non, à Bazou, moi. Je savais pas s'il fallait faire ou pas. Ah ouais, moi, ils m'ont coupé l'électricité. Ah ouais, moi, ils m'ont coupé l'électricité. Il y avait plus rien. Avant le deuxième cerf, si tu veux, en dessous du. En dessous du stairs, t'avais une petite window et le mec était en dessous de la window. Était dans la window, pardon. C'est quoi le but du jeu? C'est d'imposer la démocratie et de voler le pétrole. Non, je déconne. Bien évidemment que non. C'est de pacifier. Et c'était pas un moustique, c'était un cafard, je l'ai buté. Quoi? Mais d'où t'as des cafards chez toi, bah ouais. Mec? Mais d'où t'arrives à confondre cafard et moustique? Cafard et moustique, ouais. Parce que j'étais dans le feu de l'action et tout. Il y avait un mec devant moi et du coup je l'ai juste vu passer dans mon champ de vision. Et c'est parce que je joue dans la cave en fait. Donc c'est pour ça.
Mais quand bien même dans ta cave, dans un pays comme la France, t'as des cafards chez toi, Baizou. Bah ouais, c'est insalubre. Hein. Mais tes parents, ils te font... Mais ça va ou... Mais tu manges ou pas? Non, plus tellement, en ce moment-là, c'est la crise. Ah ouais, bah ça se trouve, c'était ton apéro. C'était ton apéro qui vient de passer. C'était peut-être ton repas du soir hein, qui vient de passer devant toi. Merci School grave, Draga. Merci pour les 13 mois, mon poulet. T'es un monstre. Oui, ça, ce qui est clair, c'est que le prochain SF, on le fera pas chez Baizou. Ah, ça, c'est clair. Vous me dites quand je fais commencer la mission. Vas-y, go. Bah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, dommage. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Ouais. Merci, Mudge. T'es un monstre pour les 43 mois déjà que tu payes au sein du campus. Non, vraiment, le jeu est bien. Et si vous voulez jouer avec des personnes, bah, n'y jouez pas solo parce que c'est débile. Faut plus, bon, c'est 4. C'est pas comme s'il fallait trouver 16 bonhommes. Trouver 3 teammates, ça va, c'est pas. Voilà. Point d'exclamation Discord si vous cherchez les teammates. Là, il y a pas mal de gens, je sais, qui l'ont le jeu. Donc voilà. Mission aléatoire. Il y a des missions aléatoires à l'heure actuelle parce que le jeu il est encore en early access. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une partie des maps souvent qui est procédurale en fait. Donc les maps ne sont jamais les mêmes. Alors il peut y avoir des machins qui vont être un peu similaires et tout. Mais plein de fois, t'es en mode attends, mais cette maison-là, elle était pas là. Ce mur, il était pas cassé comme ça et tout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est que sur PC. Ah ouais, forcément, les mecs. Ah, ça, c'est un jeu d'adulte, quoi. Ouais. Les bons jeux, c'est sur PC. Ah, ça, c'est. Ah, y a pas d'exclusivité, tu vois. C'est juste un vrai jeu. Faut un bon PC pour faire tourner correctement. Bah, par exemple, cette mission-là, c'en est une autre. Roger Bay, Wolf 2. First squad, get up there and help our boys out. Sniper activity coming from the mosque. ROE says all off. Waiting on higher. Let's go. Let's go. On bouge. On reste derrière le VBT. Attention au minaret. On n'a pas le droit de tirer dessus, les amis. Je veux de la smoke pour faire un bond en avant. Go, fous les smokes, les poulets. Sors, il sort, il prend le tir. Ah, c'est cool le smoke devant, on peut faire un bon bras. Ok, on refill et on y va. C'est refill. Let's go, vous êtes prêts? Tout le monde ready? Ouais, 3, 2, 1, top action. J'ai une maison jaune, on tape dedans direct. Le minaret. Attention, minaret. Let's go, on tape dedans, on s'arrête pas. Je tape, 3, 2, 1. Go, je prends la porte, prends la fenêtre. J'ai la porte gauche. Ok, go. Okay. Je te suis, poulet, y'a du monde à l'intérieur, traité. Ouais. Vas-y, Tipeee, continue d'avancer, poulet, je prends ta porte derrière toi là. C'est moi, allié. Excuse-moi, Tisma. Excuse-moi, Bayzon. Quelqu'un fait le bouchon arrière là? Vas-y, je prends. Ok, merci. J'ai une porte fermée ici. C'est clair, la porte derrière toi. Ok, ah, j'ai une porte fermée ici. Elle connecte. C'est clair. Elle connecte. Ok, j'ouvre. J'ai une porte en face de moi, et côté droit et côté gauche. Ok, gauche, prends la fenêtre. Je prends la fenêtre en face, vous y allez tous les deux, les amis. T'es prêt derrière moi? Un à droite, un à gauche. Avec toi. Vas-y, go. Ok, y'a notre porte. Y'a notre porte à gauche. J'ai les portes et les fenêtres, poulet. Deux packs en bas. Je gère les portes et les fenêtres, vous pouvez aller taper en. Vous pouvez aller taper la cave, vous pouvez aller taper la cave ensemble. Ok, je nade. Reste en bouchon. Ouais, reste en bouchon, je suis en bouchon. Je pense que là t'as atteint la cave, je descends au cas où. Je suis avec toi. Shadow! Contact à la... Contact texté ou sur le toit, je ne sais pas. Ou en dessous peut-être. On remonte. Un contact traité extérieur. On arrive chez nous à l'escalier. Attention, il y a du monde à l'extérieur. Ok, bien pris. Éteins les lumières. Ok, tu peux nous rejoindre, Tipeee. Où c'est Tipeee?
Ok, dans la direction de Montbral, c'est le bâtiment qu'on doit prendre. Il y a minerai qui nous a derrière la sortie du bâtiment. Ça va être compliqué, hein. Je vais smoke. Parle pas dans ta radio, poulet, on est à côté. Ouais, je smoke devant. Parce que sinon, il y a minerai qui va nous... Attends, avant de faire un truc, déjà, on en parle, poulet. Là, la sortie du bâtiment était de point de vue du minerai. Ok, je vais smoke sur le côté droit à 2h pour pas qu'on se fasse niquer par les snipers tchétchènes là, qui sont à l'intérieur du truc là. Parce que c'est vraiment des... Ça va nous permettre d'avancer et d'aller se coller main courante à gauche sur l'enceinte extérieure de la maison sur laquelle on est là. Let's go, on sort. Attention, il y a un toit. Prêt, derrière? Ouais. Ok, je prends à droite. Vas-y, Tipeee, je prends à droite. J'ai le toit à gauche. Ok, je vais rester là. Faites gaffe au minaret, c'est vraiment pas cool là où on est. On a pas de cover. Va falloir qu'on tape dans la direction de mon bras. On va faire un bond de l'autre côté de la route. Okay. Bah, il va falloir pas mal de smoke, les amis. Attention, on va commencer à se faire sniper. Les smoke, balancez-les intelligemment. Ça sert à rien de les balancer pour les balancer. On va faire un bond dans la direction de mon bras d'abord. Ok, ouais, bien pris. 3, 2, 1, vous pouvez y aller, je garde la ligne, go. Attention le minaret, go. Ok, je vous rejoins. Quelqu'un prend la cover quand j'arrive là. Ouais, parfait, j'arrive. Ok, je vais tirer. Je sais pas si ça vient du minaret, mais sniper. C'est sniper. Ok, parfait. Le seul endroit où on va être tranquille, ça va être. C'est chez nous, ça on a dit. Le bâtiment marron à droite, là, il est là. Non, négatif. Le seul endroit où on va être tranquille, ça va être contre le bâtiment qu'on va devoir taper de toute façon. Check le bouchon arrière, toi, au lieu de regarder par l'avant, là. Ok, Baizou, commence à ouvrir, s'il te plaît. Ouais, j'y vais. J'ai smoke la ruelle. Non, commence à ouvrir, ça veut dire tranquille. Bon, vas-y, let's go. Push, il a commencé à pousser, les amis. Je freeze. Pas grave, prends le bouchon arrière. Commence à ouvrir devant. Vas-y, tu peux ouvrir ta ligne. J'étais 13h. Ça tire, RPG, je sais pas d'où. À gauche, le RPG, c'est où? Je sais pas. Derrière, contact arrière. Décale pas, Baizou. Contact arrière, bordel de queue. Baizou est touché. Oh. Au-dessus, à l'étage. Il était blessé, mais pas vraiment blessé. Commandez un redéploiement. Ok, let's go. Contact à droite. Il est pas traité, j'ai plus le bâton. En soutien. Ça tire, sniper, je sais pas où. Remettez-vous contre le bâtiment jaune. Go. Je suis en face là. Il prend le quoi, le VBT, là? Moi, je sais pas. Un qui regarde mes 13h, là, et toi, t'es le troisième qui regarde. Voilà, parfait, impeccable, vous êtes propre. Et un qui est le troisième qui prend l'arrière. J'ai l'arrière. Nickel. Ah, le quatrième arrière. Ouais, le quatrième arrière. Ok, il va falloir... On a un timer, hein. Ouais, je sais. Je vais smoker au fond. Il va falloir qu'on touche contact à gauche. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Les smoke partent pour aller dans ce sens. Et on va commencer à storm, d'accord? Let's go, tu me suis, Baizou? Ouais, je suis prêt. Et tu prends notre place, Tipeee, s'il te plaît.
j'ai allumé ma lampe. Ok. 3, 2, 1, je tape à gauche, Baizou. Ok, vas-y. Ouais, top. Je suis derrière toi. Je rentre. Toujours derrière toi. On est au premier étage, enfin on est au rez-de-chaussée, bâtiment. Ouais. Okay. Appartement clear. Tisma, si tu fais main courante à droite, t'auras une fenêtre, s'il te plaît, essaye de la prendre. J'y suis. Ok, nickel, on essaie, nous, c'est nous. Ok, garde cette fenêtre et on continue de storm là. Garde la fenêtre, Tisma. T'es prêt à grenade au cas où? Ok, un traité. Je rentre. Je suis à toi. Je me fais sniper du minaret. On a trouvé une cache d'armes. Vas-y, let's go. Prochain. T'arrêtes pas. Vas-y, tu peux y aller en premier. Il va falloir qu'on trouve la cache d'armes. J'avance. Vas-y, go, Baizou, go. Je prends tes 13. Ok, je porte. Bien pris, je la storm la porte. T'es prêt? T'es prêt? Ouais, 3, 2, 1, top. Go, on a une autre porte, mais c'est toujours au même endroit, ça donne sur l'extérieur. Ok, clear. Clear, rez-de-chaussée. Troisième, on sort du troisième appartement. C'est quoi le bip qu'on entend? Il y a une bombe? Ouais, on entendrait peut-être un IED au niveau du quatrième bâtiment, au niveau du quatrième appartement rez-de-chaussée. Attention, il y a des passages là, il y a des. T'es prêt avec moi? Ouais, je suis là. Oh. Spartan 3, they want to sit on top of big IED. Roger. Can you disarm it? Sure. Ok, on a un IED ici, on a un engin explosif qu'il va falloir faire sauter. Enfin, qu'il va falloir neutraliser. Baizou, prends les. Occupe-toi en camp. Vas-y. Je m'occupe de l'extérieur. Ok, let's go, on push le prochain vite. T'es avec moi? Ouais, je suis là, toi. Ok, go. Ça part, à gauche. Vous avez une case d'escalier? Prends ma ligne. Laisse-moi prendre la ligne du bâtiment. Rentre dedans. Go. Ok, j'ai le minaret en visu, là, je peux rien faire. Je suis avec toi. Il y a un escalier. Il y a une petite fenêtre à droite. Je suis avec vous. Ok, bien pris, tu peux avancer Tipeee. Tisma, rejoins-nous, tu fais... Attention, minaret. Ouais. Tisma, rejoins-nous, s'il te plaît, tu fais main courante à gauche. Ok, sur tout le bâtiment et quatrième appartement, pas le dernier appartement, bien. Tu nous récupères. On va monter à l'étage. Il va falloir qu'on chop là et qu'on accélère un petit peu. Ok, vas-y, j'avance. Attends, tranquille. Ouais, attention, vas-y, let's go. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'avance, je passe vite devant en fait. Va falloir être assez rapide, il va falloir qu'on prenne quasiment un étage par personne, ok. Ok. Ok, j'ai neutralisé le premier étage. Ok, parfait. Cool. Garde ton premier étage, let's go. Comment je suis au deuxième. Go. T'arrêtes pas. Il y a des otages sur le toit. Reste là. Je prends 3. Vas-y, go, je push. Attention au minaret derrière toi, poulet, la fenêtre du minaret. Attention au minaret, et donnez de l'info dès que ça tire. Ok, vas-y, laisse-moi. Je vais prendre le top. Je suis, vas-y, commencez à storm, hein. Chacun son étage. Donnez les infos. Ok, je me fais tirer du minaret, je peux pas faire grand chose. Troisième étage, premier bâtiment. Ok, on a récupéré les Américains sont au top là. Building's not clear. Shoot down the wall. Ok, on bat quoi?
au premier étage? Quelqu'un peut s'en occuper ou quoi? Qui peut s'en occuper? Parlez à la radio, bordel de queue, là. Baizou, t'es où? Je suis au deuxième, j'ai le contrôle du deuxième. Tipeee sauvé. Qui est au troisième? Je suis au troisième, hein. C'était Tisma. Ok, t'étais avec toi, attends. Let's go. J'ai fait que la première. Parfait, c'est clear. La première est faite complète. Ok, nickel, push 2. Fais gaffe au minaret, let's go, faut taper dedans, on peut pas rester à l'extérieur. Let's go, go. Le minaret, poulet. Ouais, balance de la smoke, go. Droite. Clear. Gaffe à gauche. Je regarde rien, je te laisse faire, je suis juste en train de te couvrir le cul là. Parfait. Ça donne quoi en dessous, les deux autres étages? Je suis en train de clear tout l'étage. Ok, Tipeee. 6-4 à Tipeee. Ok, pas de réponse sur Tipeee, il était sur quel étage? Terminé. Roger for a squad, we can't take any chances. You'll have to check every room for more. Je suis blessé à l'extérieur, je suis blessé sur le balcon. Je suis avec toi. Stay with me, brother, I'm patching you up. I got you, boo boo. Ok, let's go. Tipeee, ça donne quoi? Tipeee, il est là? Je crois qu'il est down. Ok, Tipeee s'occupait de quel étage? Deuxième. Premier. Ok, je redescends au premier. Vas-y, Udi, neutralise. Ok, je te laisse. Je redescends au premier. Baizou, ça donne quoi pour toi? Le deuxième a l'air full clear et il me reste juste un appartement à clear. Ok, bien pris, tu me récupéreras au premier après. Bien pris. Deuxième étage bien clear. Vous avez besoin d'aide à quel étage? Négatif, deux traités, premier étage. Bien pris, il reste plus que le toit alors. Ok, j'ai trouvé le cadavre de Tipeee et Delta Charlie Delta, premier étage. Ça tire, premier étage. Six. Il est traité où, Six? Il nous fait une farce, c'est pas possible. Non, il est derrière toi, il est Delta Charlie Delta. Comment tu vois les... T'as de la mission? On tire
descendu? Dis-moi, je réponds. Putain, je te demande à la radio. Sécuriser l'immeuble résidentiel, évacuer les marines blessées. Les marines, ils sont au top, non? Get on it, devil dog! Beowulf's in bad shape! Seconde. Mais après, c'est pas beau si on la win à deux. Tu as les marines ou pas? Ouais, ouais, ils sont là. GG. Outstanding. We're working on that mosque. Yo, Inex, comment ça, poulet? Il est incroyable ce jeu. Il est vraiment cool. Hein. Merci, Sandon84 pour les 54 mois. T'es encore un monstre, poulet. Non, non, mais c'est cool que vous le terminiez à deux. Moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, surtout que ça s'est bien. C'était pas trop mal fait, quoi. On aurait encore dû passer par derrière. À chaque fois, je me fais niquer. Mais bah, bon. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai compris dès le deuxième étage que le balcon à l'arrière, on pouvait. Ouais, t'es pas exposé au minerai, ouais. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, je passe en cours martial. Je t'ai défoncé la gueule quand t'as décalé en bas, là. Ah, mais ouais, c'est toi qui m'as tué. La première là, au tout début. Ouais. Au début en fait, tu prends une bastos et je sais pas d'où tu y vas, donc je veux mettre un petit tir de suppression. Je suis sûr et certain que tu tombes au sol et tu sais comme t'es en effet tunnel, t'es en clic droit. Et au final, tu tombes pas en sol, tu te prends une bastos mais tu te baisses juste en fait. Et là, tu te relèves. Alors là, bah terminé quoi. Ah, était magnifique, c'était vraiment une exécution. Vous voulez que j'enlève le chat? Ouais, si vous voulez. Hein. Je peux. Non, franchement, elle était cool la game. La game était bien. C'était propre de la finir en plus. Parce qu'elle est pas simple celle-là. Bah, la mission là, elle était cool. Bah, après, moi, c'est après la je pense fois que la difficulté augmente avec le niveau des joueurs. Mais... Ouais, et vu que bah, nous on avait arrêté de jouer avec. Avec toi, du coup, on n'a pas de niveau, Tisma et moi. Fallujah, c'est une vraie ville. Ouais, carrément. Ah bah, il y a eu tout un bordel sur le jeu et sur l'histoire de Fallujah, parce que bon, les Américains là-dedans, ils avaient un peu fait les fils de pute quand même, on va pas se mentir. Ah, vas-y, lance. Ok. Et là, on va avoir une autre mission, et quand même, ce serait la même. De toute façon, c'est pas la même morphologie, quoi. Enfin, c'est pas la même, c'est pas le même level design, puisqu'il y a du procédural. Voilà. Non, vraiment cool. Et si vous voulez chercher des teammates pour y jouer, point d'exclamation Discord, et on va sûrement faire une petite vidéo sur point d'exclamation YT dessus. Les équipements sur les armes se changent, se gagnent au fur et à mesure. Non, que dalle, t'as rien du tout. Eh, hey, t'es un Marine, ce mec. Hein. T'es un mec de l'USMC en 2003, t'as que dalle. Hein. T'as le truc réglementaire, hein. Franchement. T'es un grenadier voltigeur, là. T'es un GV de base. Hein. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de matos, quoi. Déjà que les Américains sont de base mieux équipés de base que nos GV français, mais à la base, tu vois beaucoup de trucs. T'as beaucoup de mecs, même aux États-Unis, dont 80% de leur matos, mis à part l'armement, et encore, c'est de l'achat personnel, quoi. En France, ça se fait d'ailleurs de plus en plus. Quand tu vois des gendarmes avec des Safari Land, des trucs comme ça. Je sais pas, parce que je crois pas que le Safari Land soit de... soit PTA. Let's go. Let's go, on fait un bon, on se colle. Alright boys, got insurgent rockets harassing our air. Let's shut them down. Yeah. Ok, clairement du coup, le but du jeu, ça va être... Le but de la mission, ça va être de... rechercher à l'intérieur des bâtiments, enfin de, on va essayer de faire des bonds de bâtiment en bâtiment pour aller rechercher à l'intérieur des caches d'armes visiblement. Ok. Let's go, j'ouvre. Vas-y, tu pilles. J'entends du monde. Chut. Attends, je suis bugué là. What? Let's go, ça suit ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Main courante gauche, go. Oh, je suis là. Let's go, vous pouvez taper dedans.
on y va. On rentre là. Allez, ouais. Je go. De la longue droite. J'ai une porte vers le bâtiment. Parfait, garde. Quelqu'un avec moi? Vas-y, go, Bison. Je go. À droite, droite pierre. Haute porte, je reconnecte dans la porte. Prends la gauche du bâtiment. Un bâtiment rune. Clear. Tipeee, tu peux avancer de main courante à gauche le long de ton bâtiment. Tipeee est sur votre droite. Ouais. Okay. Non, t'as ok, j'arrive, let's go. Let's go, top top. Ouais, il y a plein de petits trous de merde. À la limite, les gars, on fait juste de l'avancée en tiroir. C'est simple, on s'arrête jamais, d'accord. Dès qu'il y en a un qui s'arrête, le dernier passe devant, etc., etc. Ok, je veux que ça coulisse et je veux que ce soit smooth. Ok, là on est clair. Good. Ouais, vas-y, bah. Let's go, j'y vais, j'y vais. Bah, vas-y, 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 poulet, poulet. Ah, bah, vas-y, du coup. Smooth, on a dit. J'ai la hauteur dans la direction de mon bras. Go, passe. Hein. Derrière. J'arrive. J'ai flippé ton arme, elle a glitché à travers le mur. Ok, contact, 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 je sais pas. On n'a pas demandé de bouger. Hein. Attention, on va avoir du... Ouais, du mortier. Ok, on va taper dans la direction de mon bras. C'est cette maison là qu'on va taper en premier, ok. Je vais avoir besoin de smoke à droite et à gauche de cette entrée de maison. Va falloir qu'on se mangue le cul. Une fois qu'on s'est né dedans, on sera pas trop mal. Je m'occupe de la droite. J'ai besoin de smoke. Va falloir qu'on tape dans cette maison. Okay. Let's go, je passe en premier. J'ai la cog, hein, je reste. Oh putain, je suis débile. Oh, la porte. Peut-être à l'intérieur de la maison, j'ai pas de info, je vois rien. Contact à l'intérieur de la maison, justement. Ouvre sa porte à gauche, ouvre ta porte à gauche. Parfait. Mais smoke moi à gauche là, avant de passer. Ouais, smoke, attends, smoke. Je passe. On a besoin de smoke là, parfait. Let's go, on tape dans la maison, go go go. Go go, tape dedans, t'arrêtes pas, tape dedans, t'arrêtes pas. Oh. Je suis blessé. Un Delta, Charlie Delta. Je suis blessé. Un deuxième neutralisé. Je suis blessé. Il y a un petit encart sur la droite, Tipeee. Faut faire aussi. Qui est à l'intérieur, Tismat, Tipeee. C'est tenté, c'est tenté. Un décès, je suis touché encore. Il y en a un qui a la longue dame. Je me fais toucher, je suis à l'intérieur. Moi aussi, je suis touché. Rentre, bordel de queue. Fais gaffe derrière toi, il y a une porte ouverte. Grenade qui part dans la pièce adjacente, faites gaffe, personne décale, je push dessus. Ok, attention. Je push. Contact à 13h. Chargeur. Chargeur. Je suis blessé, je me soigne. Merci Bomb TV pour les 19 mois, t'es un monstre poulet. Let's go.
Balancez-moi une grenade à l'intérieur de cette putain de fenêtre là. Derrière. Je veux prendre les... Qui prend le bouchon arrière? Arrière, arrière, contact à l'intérieur de la maison. Je suis blessé. Malik. Malik. C'est bon. On est plus que deux. Tipeee. Non, tu m'as pas, mais tu m'as pas. Hey, blesse, là, le bras. Quoi? Mais t'as pris combien de balles? Ah non, mais non, j'ai vraiment une grosse hémorragie, fils de pute. Ah, ok. Je check le bouchon arrière, on est plus que deux ou quoi? Info? Mais c'est bon. Je prends le bouchon arrière. On est plus que deux. L'avant. Ça bouge autour, bordel de merde. Je check mon chargeur. Tu veux faire une progression dans la ruelle, je smoke à droite et on couche à gauche. Doucement, je t'entends bien, t'inquiète. Ah vas-y. Quoi? Est-ce que tu veux qu'on fasse une smoke à gauche? Contact en face, contact. Je grenade. On pousse dessus. Y'a encore contact qui vient de passer à 11h. Tu vois la deuxième porte ouverte à une heure de là où tu regardais. 13. Go, on push. À 13h, fais gaffe, la porte ouverte. Je push avec toi. Je push. À droite. Félicitations pour cette promotion sur les AK-47. Pendant que vous êtes en train de vous faire tirer dessus et que l'intégralité de vos teammates sont morts, n'hésitez pas à profiter des promotions sur les AK-47 posées sur le buffet. Bonjour. En avant. Let's go! Ah merde, j'aurais dû réfier, je suis con. Ah, c'est pas trop tôt la guerre. Attends, deux secondes. Rally point sur l'endroit où ça a commencé à chauffer tout à l'heure là. Ah, let's go, on fait pas de la merde. C'est la maison où on était hein. Oh, ok, go, top. Je vais aller faire le toit, on a pas fait le toit. Avec moi pour le vas-y, go, je tape avec toi sur le toit. Non, dégage vite, je vais prendre le bouchon arrière pour le moment, c'est trop la merde. Fais gaffe au mortier, hein. Retour, bâtiment. Okay. Il y avait deux armes, j'ai juste pris les armes. Attention, gauche, pas rien.
Let's go, on ressort exactement par l'endroit où on est arrivé. On va faire la maison qui se situe exactement à l'ouest de là où on est arrivé. La maison adjacente à celle dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. On se ressort par là où vous êtes arrivé. Compris. Ok, la maison qui est à mon contact à gauche, là, juste main courante à gauche, c'est celle-là qu'on va taper. Quelqu'un prend mes midi pendant que je la travaille, please. J'ai le bouchon arrière. Je vois une pièce vide. Porte ouverte. Pièce vide, deuxième pièce vide, je rentre. Ok, je te suis. Go, go, go. Bon bouchon arrière. J'ouvre à droite. Clear à droite. Couloir fermé. Une porte ouverte à 1h. Une porte à midi. Va falloir que tu tapes avec moi à droite, s'il te plaît. À gauche, ouais. Quand je rentre. Et un qui regarde en face, please. Je rentre à droite, je rentre à gauche. Ouais, non, tu pars directement à gauche, ouais. Allez, ça va. 3, 2, 1, top. J'ai une porte ouverte qui donne vers l'extérieur. Ça parle. J'ai pris deux cages d'armes. Ouais, bien pris, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, ouais. Ok, toi, je sais écrire. Y'a pas un étage dessus? First squad, we don't got all day. Air is needed in the city, move it. Un négatif. Ok, on a plus que 3 minutes, laissez tomber les amis, il va falloir qu'on passe directement. On va faire un bond dans la maison, dans la direction de mon bras, la prochaine maison, please. Ouais. On sort par l'arrière, là où je suis. Tu veux que je smoke ? Négatif, attends, je prends une info pour savoir où est-ce qu'on va passer déjà. Ok, bien pris, je smoke à droite, juste au contact à droite. On se colle contre la maison en face, main courante à droite et on rentre dedans directement. Reçu. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top. Go. Je regarde à l'intérieur. Let's go. Let's go, passez devant, go, 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 ça tire à l'intérieur. Ça tire à l'intérieur ou sur le toit, je ne sais pas. Go, je vous suis. Je fais le bouchon arrière. Go, 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 go. Attention, escalier, étage. Je prends l'escalier. En face, en face, en face. J'ai le bouchon arrière. Pas pris. On est sur le toit. Toi clear. J'ai toujours le bouchon arrière, toi clear. Bien pris. Ça tire, info. Il faut qu'on se mangue le cul, les amis. Bien pris. Va falloir qu'on fasse un bond à l'est. De toute façon, on va ressortir exactement par là où on est allé, par là où on est arrivé. On va faire un prolongement directement dans la petite allée par laquelle on est arrivé. Go. Vous m'entendez? Je suis bouchon arrière. Faut qu'on se mine. Faut qu'on se mine. Faut qu'on se mine. Je smoke à gauche et on part à droite direct. Vous êtes derrière? Oh la vache, vous êtes derrière, mais l'autre, qu'est-ce que tu fais à sortir par là? 3, 2, 1, top. Ok, j'ai besoin de smoke là pour passer de l'autre côté de la route. Ça smoke? De l'autre côté de la route, il y a une liane, c'est par là qu'on va passer. Alors, sur ta tête. Allez, 30 secondes. Let's go, let's go, je passe au-dessus. J'ai une ouverture à droite, j'ai une ouverture à gauche. J'ai un toit. Je pars à gauche direct. J'ai du monde à gauche. Un traité. Grande maison, va falloir qu'on se dépêche, 9 secondes. Faut trouver la cache, trouvez la cache. Contact sur le toit, hein, peut-être passer par les fenêtres. We're ahead. Mais
merde. Wow. Si, je crois qu'on est passé merci sur la cache. Merci pour 5 crocs pour les 5 mois de frais scolarité, t'es un monstre poulet. Ah ouais? On est passé sur la cache. Là, il restait une seconde et je vois un gros... Et je vois un gros chibre. Dans la maison où on était là. Ouais, non, mais c'était pas trop mal. Bah non, bah après, le move solo de Tisma, du coup, qui nous raise, etc., forcément, ça me fait perdre du temps. Non, mais c'est sûr. Mais là, la maison dans laquelle on est rentré, elle était horrible, quoi, parce qu'on avait très peu de place pour pouvoir bouger, et on se faisait niquer par les fenêtres d'en face, en fait, quoi. Et en fait, c'était une maison au milieu de deux maisons. Ouais, quoi, c'est exactement ça. De l'autre côté. Et du coup, j'ai envoyé toute la purée en face, quoi, mais bon. Allez, le campus, je vous laisse ici. À plus tard, Zerosk. C'est un peu une simu, quoi. Ouais. Oui. En tout cas, oui, c'est le but, en tout cas. C'est moi qui ai misclick mon F ou c'est où t'étais vraiment deux fois blessé? Non, t'as misclick. Spartan 3, we are seeing RPG activity in your AO. You can't get in there. Copy. First squad, this is Spartan 3. Stand by for Frago. Accurate RPG fire coming from a house in your AO. Oui, c'est pas la même. Shut that shit down. Over. Ouais, je peux être dans la... Contact à 11h, direction de mon bras, ici, sur le toit. J'ai bien. Quelqu'un peut le traiter? Sur toi, je peux l'avoir à la coque. Vas-y, go, il est pour toi. Prends Tipeee. Traité? Négatif. Pas d'effet tunnel, please! Il est descendu, je crois, dans l'escalier. Je suis au-dessus de ta tête, X. Ok, bien pris, pas. Ça sert à rien de plus d'une personne. Hein. Ouais, moi, je check la carte, va falloir qu'on bouge, les amis. Ouais, il est descendu, je pense. Ok, premier bâtiment à taper, du coup, ce qu'on va faire. On part sud-ouest. Va falloir qu'on prenne la ruine devant nous, let's go, allez, en avant. Pareil, tiroir. On s'arrête pas. Vas-y, go, en tiroir. Un qui passe devant, en avant, let's go. Le premier s'arrête, le dernier passe devant. Pas tout le monde à la fois, un seul qui bouge à la fois. Ok, je suis clair, on peut continuer. C'est le tiroir, on avance. Oui, bon, il y a des endroits où... tu es obligé de se sortir pour éviter de se faire botte quand on est là. Ok, il y a une longue là. En vrai, normalement, il avait dit c'est à moi d'ouvrir. Continue de parler, les amis, on s'est séparés. Sur les toits en face, je vois rien pour l'instant. Je suis à votre droite, moi. Ok, reçu. Moi, je continue, j'avance devant toi, tu vois. Ouais, je suis avec toi, à côté. Toujours. On arrive au bâtiment. Ok, c'est les ruines du bâtiment qui est en face de nous. Le bâtiment blanc beige là, c'est celui qu'on va devoir taper. En avant, on se retrouve sur la route principale. Non, stop, on prend la route principale. On se retrouve sur la route principale et main courante à gauche. Reçu, attends, première comment je vais. Let's go en colonne parce qu'on fait n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Ok, ça tire à l'intérieur. Vas-y, prends les midi poulet, continue de prendre les midi. Laisse-moi passer en deuxième. Go. Impact traité à l'intérieur. Bien pris. Sinon, je m'expose et c'est là où il m'a tiré dessus. Ok, Pax traité à l'intérieur. Baizou, viens me coller une grenade au-dessus de la tête, s'il te plaît, à l'intérieur, là. Tisma, balance-moi une grenade au-dessus de la tête, s'il te plaît. Parti. Ok, j'ai une lumière, je peux avancer dans le bâtiment. Hein. Vas-y, go, allez-y tous les deux avec Tisma. Derrière toi. J'étais midi 6. Ok, je prends les 6. Vas-y, on reste à l'extérieur. Vas-y. Parfait.
Let's go, on rentre à l'intérieur, viens avec moi, décroche. Après, ok, je te suis. Fais gaffe à l'étage, please. Ouais. Ouais, je fais gaffe à l'étage. On va taper l'étage au-dessus de vous. Je tape, tu peux prendre mes midis s'il te plaît? Quand tu vas, pas, ouais, quand ouais, tu vas passer? Maizu, go. Ouais. Putain, c'est chiant ça. Attends. Contact traité de l'autre côté de la route. Un contact traité de l'autre côté de la route. Peut-être un contact dans la direction de mon bras. Viens là, Baizu. Je suis là, toi. S'il te plaît, là. Regarde ouais. Là-bas, dans la direction de mon bras, à la fenêtre. Go, bouge. Je vois rien. J'ai multiple contact dans la rue. Sud-est de votre position. Ok, je monte sur toi. C'est sur toi. Ça continue de parler, ouais. Non, sur le toit, on a rien du tout. C'est dans la rue sud-est, la rue principale, celle par laquelle on est arrivé. On va descendre ici. On va reprendre la rue. On va prendre le mur à gauche. En gros, ça va être contact au mur à gauche quand on va décaler. Ouais, bien pris. Vous repartez sur l'axe principal par lequel on est arrivé. Main courante à gauche et on fait un bond dans la maison suivante. Ok. Maison avec le bleu sur le toit, dans la direction de mon bras. Ouais. Ok, vas-y, décroche avec. Décroche, on décroche. Je reste à l'étage de la maison précédente pour couvrir. N'hésitez pas à continuer le contact radio, je suis pas à distance de... Tu peux pousser avec nous ou pas? Bien pris, j'arrive, je décroche. Contact le long de... par l'entrée par laquelle vous êtes arrivé, dans le trou... Le trou dans le mur orange. Ça, c'était à moi de le courir, ça. Je vais vous rejoindre. Non, le contact en l'occurrence il est traité. J'arrive, c'est moi. Je suis au top, c'est clair. Putain, mais ça c'est relou. C'est bon, chat, get out of the building! Faut sortir maintenant. Faut dégager. Ouais, ok, bien dégager. Pris, on dégage. On se met sur l'axe principal. Reçu, on est derrière. Ok, je me fais tirer dessus de l'est. On est au point de ralliement. Ok, bien pris, let's go. Non, faut sécuriser. Donc ça veut dire que ça va nous push. Go, prends un bâtiment dans le point de ralliement. Est où, attends? Go, prends un bâtiment vite. Le point de ralliement est plein sud. Et bah go. En courant à gauche. Donc faut qu'on continue. Non, on continue. Doucement devant. Vas-y. Ouais, mais attends, là c'est open field de fou et il y a une petite maison là. Tu veux quoi? Chargeur, quelqu'un prend le bouchon arrière. J'ai. Il lâche. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, j'ai. Je
neutralisé. Est un deuxième. Ouais, est un deuxième. Ok, bah vas-y, bouge. On avance. J'avance en erreur. La route, les gars. Négatif, j'arrive, je recolle. Contact. Chargeur. Encore deux. Chargeur. Il tout simple là. Il est où? Il est mort. Ok, Six, tu viens sur le point de rallye. Bien pris. GG. GG, well played. Le Vladé, on peut le piloter. Ouais, bien sûr, tu peux piloter le blindé. Tu pouvais piloter aussi les Vipers là qu'on voyait, quoi. Ça, c'est vraiment aussi. Sympa. Là. Tu peux prendre la 10 Thunderbolt. Et après, si t'arrives à faire 30 kills, t'as une, tu peux avoir la nuke. Non, je déconne. Non, t'es un fantassin d'enculé. Hein, t'as deux armes. Ouais, c'est aussi Jay Alro. Jay Alro, du monde pour prendre ma place ou pas? Bah, il est quelle heure? 23h29 de toute façon. Bah allez, moi je vais décoller de toute façon. Faut que j'aille manger un de ces quatre quand même. Ça serait bien, non? Ouais. Ah merde. Bah oui, du coup, c'est ça le problème, c'est que le son est tellement bon que j'oublie qu'on n'est pas sur Discord et au final, bah on est voilà quoi. Et du coup, je me mute comme une merde. Enfin, j'alt F4 le jeu comme une merde, c'est ça que je veux dire. Bon, Lady, merci les poulets, c'était bien cool en tout cas. Bisous. À plus. Ciao. Bye. Alright, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée en ma compagnie. C'était sympa ce petit teach-us et derrière cette petite fin de soirée sur Six Days in Fallujah. N'hésitez pas, si vous cherchez les teammates sur ce jeu, !Discord. Si vous cherchez les prochaines vidéos qui sortiront, !YT, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. Les deux, ça nous aide énormément sur les vidéos. Je sais pas s'il y en a une qui est sortie aujourd'hui. En tout cas, il y en a une qui est sortie hier. Enfin, il y en a quand même au moins 5 qui sortent par semaine. Enfin, en tout cas, au moins 3 par semaine, on va dire. Hein, voilà. Le jeu est vraiment propre. Ouais, il est vraiment cool. Jouez-y à plusieurs, n'y jouez pas en solo. Donc, !Discord, si vous n'y êtes pas déjà. Si vous cherchez des teammates, c'est le meilleur moyen de trouver des teammates sur ce jeu. Surtout qu'en ce moment, il est un peu hype, le jeu. Et comme quoi, mon PC, c'est quand même un PC de ouf. Hein. J'avais pas éteint Rainbow Six. Il y avait Rainbow Six qui tournait en plus du... Hein, en plus du truc. En plus du jeu sur lequel on était. Je me disais, merde, j'avais que 200 FPS. Lol, non, c'est pas vrai. Ok, bon, ladies and gentlemen, bonne soirée tout le monde. Vous êtes des monstres. J'envoie bien évidemment ce son que vous connaissez et qui signifie que je vais disparaître maintenant de vos écrans. Ciao tout le monde. À demain. J'envoie bien évidemment le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. À savoir les donateurs, les cheerers, les hosts, les membres du Salty Fan Club, le staff, les personnes qui ont participé au Teach-Us, les personnes qui ont préparé le Teach-Us. Bref, toutes les personnes qui font que le campus de la Salty Academy sera peut-être encore là, encore un peu en 2024. Merci à vous. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas, !TikTok, !Facebook, !YT, !Twitter, !YT Replay. Chaque like, chaque abonnement, c'est gratos et ça nous aide énormément à continuer. Donc voilà quoi, n'hésitez pas, tout simplement. Bonne soirée tout le monde, à demain en milieu d'après-midi comme d'habitude. Et d'ici à demain en milieu d'après-midi comme d'habitude. Une fois de plus, n'oubliez jamais que certes nous sommes salty, oui, mais pas que.